Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'info CMA-TV en bref. Marquis franchit une autre étape de son plan d'investissement Horizon 2025 annoncé en novembre 2021 avec la mise en service d'une toute nouvelle presse à son usine située sur la rue des Entrepreneurs à Montmagny. Cet investissement de plus de 6 millions de dollars s'inscrit dans le plan global d'investissement de l'entreprise qui a obtenu un soutien financier d'Investissement Québec et du gouvernement du Québec. Les nouveaux équipements permettront à Marquis de renforcer sa position de plus grand manufacturier de livres au Canada et d'élargir son offre de services. Alors que la commission de révision de la carte électorale fédérale a annoncé qu'elle supprimera la circonscription d'Avignon, Lamitis, Matane, Matapédia, pour en ajouter une autre dans la région de Montréal, la circonscription de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup devrait, quant à elle, incorporer la MRC du Témiscouata à son territoire actuellement couvert, soit 19 municipalités de plus, avec une superficie totale qui sera désormais de 11 000 km², avec 80 municipalités pour le futur comté modifié de Bernard Généreux. Selon les propositions des commissaires, la circonscription devrait désormais se nommer Montmagny-Témiscouata-Kataskomik, Kataskomik étant en lien avec le territoire ancestral des Malécites se trouvant dans la MRC de Rivière-du-Loup. Par contre, le député Généreux proposera à la commission de révision de la carte électorale fédérale la dénomination suivante, soit Côte-du-Sud-Rivière-du-Loup-Kataskomik-Témiscouata. Suspendu au sommet du vestibule vitré du pavillon communautaire Espace citoyen à Montmagny, Convergence de José-Louis Torres a été inaugurée hier. L'œuvre offre une symbolique forte de l'esprit de communauté dans cet espace collectif voué aux rencontres citoyennes, en plus d'apporter une touche ludique à l'architecture du bâtiment. Et au sport, dans sa seule confrontation de la fin de semaine dernière, l'Everest accueillait les Flames de Gatineau et la troupe de Simon Labrec a retrouvé le chemin de la victoire avec un gain de 5-2. La prochaine partie est prévue ce vendredi à l'Aréna de Montmagny contre le VC de Laval. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez-nous sur la page Facebook de CMA-TV.